الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للجزائر منذ 6 سنوات، وإن أخذت طابع تكريس لشراكة برلمانية على محور الجزائر وباريس، فإن الملفات الاقتصادية كانت حاضرة بقوة في زيارة لارشي للجزائر، تتقدمها مسألة قاعدة الأغلبية الوطنية المؤطرة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر التي تتمسك باريس بشأنها بمطلبها القديم الجديد حصر تطبيقها على الاستثمارات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية. Je dois dire que la question du 49-51 se pose. Cette question du 49-51, nous l'avons abordée, y compris avec le Premier ministre. Elle se pose parce que l'idée, quand on est des partenaires pour longtemps, c'est d'amener aussi des sous-traitants, c'est d'amener les entreprises connexes, et que ce qui peut être compris par une très grande entreprise, qui chez nous est au CAC 40, est plus difficile à faire comprendre pour une entreprise de taille intermédiaire, pour une petite entreprise. Car le Premier ministre nous disait, mais au fond, la gouvernance appartient au 49. Oui, mais quand vous êtes dans une entreprise de 150 ou 200 salariés, je l'évoquais hier avec une très belle entreprise française qui a travaillé en partenariat avec le groupe Benamor, mais qu'à terme, c'est une entreprise qui va avoir 400 salariés. On est dans la taille intermédiaire. C'est parfois difficile de comprendre et de faire admettre, y compris à un groupe familial, cette dimension-là. Je crois qu'il y a une réflexion à conduire. رغبة الأوساط الفرنسية في توسيع حضورها الاقتصادي في السوق الوطنية ترافقها الكثير من الاستفسارات ونقاط الظل تراها باريس مهمة في تدعيم الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين. J'ai rencontré les chefs d'entreprises françaises. Ils m'ont exprimé clairement leur volonté. Ça m'a beaucoup marqué. Ça nous a beaucoup marqué de poursuivre et d'amplifier leurs investissements en Algérie. Ils ont exprimé un certain nombre d'interrogations que nous avons répercutées, et j'en viendrai aux personnalités que nous avons rencontrées, sur notamment, nous avons rencontré bien sûr le secteur automobile, celui installé, celui à venir, le secteur électrique, le secteur de l'agroalimentaire, celui des services. هو إذن المطلب القديم الجديد للفرنسيين في توسيع نطاق استثماراتهم في الجزائر استثمارات تبقى رهينة الشروط الفرنسية والمزايا السياسية والجبائية التي استفادت منها المشاريع الفرنسية بالجزائر.